Le sentiment connu sous le nom de l'amour est imparable. Parfois, vous vous blessez et vous jurez de ne plus jamais être dans une relation. Et nous disons simplement cela parce que nous n'avons pas encore rencontré la bonne personne. Mais quand nous le faisons, nous pouvons certainement le dire. Lui, il s'appelle Paul. Et voici sa femme, elle s'appelle Ador Sela. Étonnamment, ils sont tous deux handicapés et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de vivre ensemble car la plupart des gens normaux ont refusé de vivre avec eux en tant que partenaires. Les deux vivent ensemble depuis si longtemps maintenant. Ils vivent en tant que mari et femme depuis 17 ans et ils n'ont jamais pensé à rompre ou même à se séparer une seule minute. Ils sont extrêmement heureux de la façon dont ils vivent. Ils avaient déjà parlé à de nombreuses filles et leur avaient demandé en mariage, mais elles ont toutes refusé et il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le fait qu'il allait être célibataire pour toujours jusqu'à ce qu'il rencontre cette dame. Au départ, il n'avait pas le courage d'aller lui parler car il avait déjà été rejeté par de nombreuses filles à plusieurs reprises. Alors pour cette fois, il a envoyé sa sœur et c'est elle qui a tout fait pour lui et qui l'a facilité les choses. Maintenant, il a une femme et bien qu'il soit pauvre, ils sont heureux. Aujourd'hui, nous avons parcouru plusieurs kilomètres jusqu'à ce village pour rencontrer ce couple afin qu'ils puissent raconter leur histoire au monde. Et heureusement, ils ont accepté de nous parler, même si ce n'était pas facile au départ. Tout a commencé il y a longtemps, quand Paul est né. Il est né handicapé, mais il était le seul de toute sa famille à être comme ça. Les autres allaient bien et il n'avait aucun problème. C'était vraiment très frustrant pour lui, mais il ne pouvait rien faire à ce sujet. Il a vécu comme ça jusqu'à ce qu'il grandisse. Et avec ce genre de handicap, il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse aller à l'école tous les jours. Cela allait être si dur et très difficile pour lui, donc il a fini par ne pas aller à l'école. Ses frères et ses sœurs ont eu la chance d'aller à l'école parce qu'ils allaient bien. Il a alors grandi et est devenu un homme. Il a dû gagner de l'argent pour acheter de la nourriture pour lui-même parce qu'il ne pouvait pas dépendre de ses parents pour le restant de sa vie. Et bien que personne ne voulait l'embaucher, il devait absolument trouver un moyen pour obtenir cet argent. Paul n'avait pas d'autre choix que d'aller dans des endroits très fréquentés comme des rues et des marchés et de commencer à manger des pièces. Et c'était la seule façon pour lui d'obtenir de l'argent qu'il voulait pour acheter de la nourriture. Il l'a fait pendant très longtemps et c'est ce qu'il fait encore jusqu'aujourd'hui. Il était maintenant un homme et prêt pour le mariage. Il devait alors tenter sa chance sur certaines des dames qu'il connaissait dans ce village, mais cela ne s'est pas avéré être une si bonne idée. Elles l'ont toutes rejeté car il était handicapé. Et d'après ce qu'il dit, il n'a pas essayé sur une seule dame, ni même deux, mais 16 d'entre elles. Elles l'ont toutes rejeté. Quand il a rencontré Ador Sela, c'était dans un marché. Il avait peur de l'approcher car il avait déjà été rejeté à plusieurs reprises. Alors il a parlé d'elle à sa sœur et lui a demandé de l'aider. Il a dit à sa sœur de demander à cette dame d'être son épouse et il espérait qu'elle dirait oui car elle aussi était handicapée. Mais il n'en était pas si sûr et c'est pourquoi il a dû envoyer sa sœur pour attendre la réponse. Elle dit que lorsque la sœur de Paul est venue la voir, elle lui a demandé de se marier avec un homme appelé Paul. Elle a été surprise parce qu'elle n'avait jamais vu ni même entendu parler de lui auparavant. Au départ, elle a voulu refuser, mais à bien réfléchir, elle a décidé de vivre avec lui. L'une des raisons pour lesquelles elle a accepté était qu'il était aussi handicapé, ce qui signifiait qu'il n'allait jamais lui manquer de respect à cause de son handicap puisqu'il était également handicapé. Elle savait que c'était une bonne idée, mais sa famille ne le pensait pas. Ils lui ont tous refusé de se marier avec Paul, mais elle avait déjà commencé à tomber amoureuse de lui. Elle ne les a pas écoutés car elle aussi voulait se marier et il était temps. Elle s'est donc mariée avec son amoureux sans tenir compte des autres. Elle est venue et a commencé à vivre avec lui en tant que mari et femme, même s'ils étaient extrêmement pauvres.
Ils allaient manger des pièces de monnaie dans la rue ensemble et les ramener à la maison. C'était l'argent qu'ils utilisaient pour acheter de la nourriture chaque jour. Et c'était leur quotidien. Cela faisait environ un an qu'ils vivaient ensemble lorsqu'elle lui a révélé un secret. Elle a eu un enfant. En effet, avant de rencontrer Paul, elle était en couple avec quelqu'un et il était l'une des raisons pour lesquelles elle a accepté de vivre avec Paul. La relation dans laquelle elle était en premier était terrible. L'homme dont elle était amoureuse était normal et il lui a promis le paradis sur terre. C'était avant qu'elle ne tombe enceinte et quand elle l'a fait, les choses ont totalement changé par rapport à tout ce à quoi elle s'attendait. Elle a été abandonnée par cet homme lorsqu'elle s'est avérée être enceinte. D'après ce qu'elle dit, il avait honte d'avoir un enfant avec une femme comme elle. Quand il est parti, elle a juré de ne plus jamais être amoureuse. Mais lorsqu'elle a rencontré Paul, elle a décidé de lui donner sa chance. Il n'arrêtait pas de se demander pourquoi elle ne lui avait pas dit cela au départ, pourquoi elle lui avait caché qu'elle avait un fils. Mais plus tard, il a appris à la comprendre et l'a acceptée telle qu'elle était, car c'est ce qu'elle avait également fait auparavant. Ils vivent désormais en harmonie, mais malheureusement, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir un enfant à deux pendant les 17 ans qu'ils ont vécu ensemble. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais comme ils ne peuvent pas changer les choses, ils ont accepté ce fait. Aujourd'hui, ils font face à de nombreux problèmes parce que les gens continuent de répandre des rumeurs selon lesquelles elle est une sorcière et qu'il n'y a aucun moyen que vous puissiez vivre aussi longtemps avec un homme sans pouvoir accoucher un enfant si vous n'êtes pas sorcier. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle a déjà accouché et c'est peut-être Paul qui a un problème. Les deux ont décidé de vivre ensemble jusqu'à la fin. Et c'est tout ce qu'ils ont toujours voulu parce que cela les rend heureux plus que quiconque ne pourrait l'imaginer. Ils vieillissent et manger dans les rues devient de plus en plus difficile. Ils demandent de l'aide afin qu'ils puissent obtenir de la nourriture et quelque chose à faire qui leur donnera de l'argent pour se nourrir quotidiennement. Ils croient que cela améliorera leur vie parce qu'ils souffrent depuis très longtemps maintenant. Les fonds qui seront utilisés pour soutenir cette famille seront reversés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laisse un like si tu as aimé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.